Salut, station fréquence, c'est le 113 à côté à vous tous de la part de Dandy 33. Alors, on est le vendredi 26 août 2016 et c'est parti pour le QSO national du canal 27. Ouais, j'ai entendu un Roger Bip, le 73 à station. Un autre derrière, les 73 aussi. Bon, la fréquence n'est pas très propre, on dirait, là. C'est vrai que c'est la merde. C'est la merde, il y a un bordel. 73 Rémi, voilà, 113 tout le monde. C'est la merde. Merde, j'ai oublié de mettre le klaxon. Oh, quel con. Allez, on la refait. Nouvelle prise, Hachi. Et 73 Thierry. D'accord, mais je sais pas, là je viens juste d'arriver, alors tu vois là, le temps de me mettre en place, d'allumer tout ça, et puis là je découvre, hachi. Il est 73, Eric. Salut Rémi, les amitiés, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine, et puis le bonjour au cura. Ouais, la chambre d'écho derrière. Ouf, putain, j'en peux plus, moi, je suis claqué, quoi. Il n'y aurait pas le QSO, je crois que là, je serais parti au 144, là. Ouais Eric, Thierry, je viens d'écouter là sur le 27-270, c'est plus calme. Hein. Ouais, attends, Eric, je vais dire. Rémi, il y en a un qui a braqué, il était en train de donner son indicatif, tu l'avais entendu? Ah merde, c'est juste au moment où je suis allé voir sur le 27-270 et puis le temps de remonter, désolé. Commencer à donner ça indicatif et je l'entends plus.
Facebook. Ah. Ah bon. Ouais, je veux bien. Mais il vient de me dire qu'il t'a envoyé un message sur Facebook, voilà. Ok, je vais à la pêche. Je t'entends petit, ça oui, c'est voilà. Je vais attraper le 4, ça ira peut-être mieux. C'est juste à côté. Quoi. Il y a eu la tour de contrôle qui s'est signalée. Les bottes sont 1351, la tour de contrôle, en espérant que tu ailles bien. Ça y est, Rémi, mais je ferai beaucoup d'écoute, mais j'ai trop amélioré mes cordes vocales. Alors, je suis derrière, et si vous avez besoin d'un QSP de quelqu'un de loin, si je l'attends, ça sera sans problème. Allez, je repasse à l'écoute. Retour à toi, Rémi. Ok, ça marche, mais de toute façon, là, vu le bordel qu'il y a sur la fréquence, on va pas trop tarder à dégager sur le 27-270. Hein. Les 73, la station qui a parlé, mais c'est complètement inaudible. Bon, ben je crois que Eric, Thierry, la tour de contrôle... Fabrice de Vert, ainsi que les autres stations, je crois que là on va glisser sur le 27-270, ça sera quand même plus calme. Ok, c'est parti pour moi, je sais pas si j'ai entendu ça, Fabrice, 270. Ah oui, là c'est du tout propre. Oui, 73 du Facebook du Lot-et-Garonne. Les 73 Belphégor. Bon, j'espère que tout va bien. Ok, eh bien, dans le QSO, il y a le Coyote, premier arrivé. Il y a Eric, 14-8 ans, Echo 27. Fabrice 14 Oscar Romeo 057 qui est ouest-sud-ouest de Libourne, oui, si je ne me trompe pas, c'est ça. Il y a Michel, la tour de contrôle qui préserve ses cordes vocales ce soir, mais qui est derrière Hachi. Et plus un autre break aussi là de derrière, il me semble. Retour à toi, Belphégor. Ok, retour sur Thierry. Tape de ce gauche, papa. Ok, retour Eric. Eh
Eh, je finis par croire que vous êtes tous les deux là au 600, quoi. Ah, chi, il y a eu un break aussi, là, en avant le break, si tu as suivi. Ah non, mais alors, merde, je reprends. Non, oui, Eric, j'ai je suis pas au 600, mais j'ai quelqu'un qui vient arriver à la maison, c'est pour ça que ça y ouvre le portail, alors, c'est pour ça. Je vais ouvrir le portail, il va rentrer, puis je reviens. Ok, ça marche. Fabrice de Vert, si tu m'entends, vas-y, retour de micro. Alors, comme personne ne parle, la tour de contrôle, la fille, ici, Metzger, il a un petit signal, mais une superbe radio de 5 sur le blindé. Super, super. Merci. Salut à tous, moi j'ai le QRM, c'est même pas la peine ce soir. Même ici? Ah, il y a un peu de bruit, oui. Rémi, je t'entends à peine, je comprends à peine ce que tu dis, Michel, c'est pareil. Et le seul que j'arrive à entendre un petit peu plus fort et compréhensible, c'est à peine c'est Thierry. Mais sinon, c'est même pas la peine, j'ai du mal, j'avais le casque. Ah, il y a quelqu'un qui a grogné là. Pourtant, c'est bizarre parce que toi, du côté de Thierry, de mon côté, du côté de Belphégor, la fréquence est nettement plus propre là, ici. Et toi, par contre, non, c'est toujours autant le bordel. Ah ouais, la propagande n'est pas de mon côté là. Ok, j'ai monté d'un cran. Est-ce que malgré tout, ça va mieux là? Mais okay, attends, si vous voulez, après m'en faites ce que vous voulez. Eh, hey, t'as raison en plus. Ok, on bascule tous en Lima, Sierra Bravo. Okay. Voilà, rendu. Voilà, en espérant que ça aille mieux. Ah, pour moi, ça va beaucoup mieux. Ah ben oui, là c'est en Lima, Sierra Bravo, ça va être plus propre, ça c'est sûr. Voilà, ça va un peu déformer les voies, ça dépend. Ça va un peu déformer les voies, mais non, c'est bon, ça va être bon. C'est mieux déjà. Ah oui, tout le monde se passe très bien, hein. Ok, ouais, c'est vrai que Belphégor, t'as une bonne radio de 5 là. Hein. Le signal est très QRP de mon côté, à peine, enfin un demi-point quoi. Mais radio de 5, je sais pas ce que t'as fait, mais là ça marche bien. Hein. Ouais, c'est vrai quoi tu penses ce soir là. Ben, disons que l'idée est partie de Michel, la tour de contrôle, et c'est vrai qu'il a eu raison. Hein. Voilà, c'est vrai que, mais systématique, c'est vrai qu'on n'y pense pas systématiquement, c'est ça le truc. Ouais, attends, je reprends. Le signal est bon, mais moins fort, mais c'est pas Michel qui a dit passer en Lima. Voilà, signal moins fort, mais radio bon. Attends. Ouais, oui Thierry, ouais, mais à l'origine, il y a quelques temps de ça, c'est Michel qui avait lancé l'idée. Et c'est vrai que on est tellement habitué à être en USB que ben voilà quoi, comme des moutons on y reste. Et non mais là pour ce soir, oui effectivement c'est toi. Ah oui, ah pardon. Oui non mais c'est bien, on y va, c'est rare, bravo. Moi c'est vrai quand je fais des QSO en USB, voilà, c'est avec qui je parle, on s'entend mal en USB, mais ben, aussitôt ben, ouais, c'est clair, mais c'est vrai que j'ai. Il y a longtemps que j'ai perdu l'habitude. Ah, c'est pour ça que je l'ai dit, moi, c'est pour ça que vous voulez passer en Lima, Sierra Bravo, hein, on va mieux s'entendre. Hein. Voilà. Mais ce sont presque quand même des égaux, voilà, mais je t'entends petit, moi, de mon côté, je comprends pas ce que tu dis, voilà, ce sont presque quand même. Voilà, et mais je te retourne le micro. Ah, mais écoute, le QTH est quand même à un côté, allez, par reculé du. 47, mais bon, le QTH est du côté de Normande, je ne sais pas si tu connais, voilà, pour préciser, du côté de Normande, voilà, département 47. Donc là, je suis avec la verticale, donc voilà, c'est toujours pareil, la situation, c'est pas toujours.
parce qu'un approchant du port à Lyon, c'est peu particulier. Voilà, retour à bord. Ben, disons que par moment il a du monde, il a quelqu'un en QR1 là, qui vient le voir, alors, ce qui fait que ben ouais, il est pas toujours, il suit pas toujours quoi. Ouais. Est-ce que Fabrice 14 Oscar Romeo 057 là de Serre, tu nous as rejoint là? Ok, Eric, de ton côté, ça va mieux? Pas du tout, là. Je vous entends, je te comprends un petit peu, mais alors j'ai mis au milieu de notre casque, là, j'ai un bordel impressionnant, là, tu vois. Vivement que j'ai notre poste, que je me suis trop demandé, voilà. Je salue Michel, je ne sais pas s'il m'entend, s'il est toujours là, la tour de contrôle, et puis les autres stations aussi, il y en a qui m'entendent, voilà. À toi, Mimi. Je t'avais dit de préparer ton ferry pour les tirer les QRM. La chance n'est pas ouverte, mais c'est pas grave. Les amitiés à toi, Eric, les amitiés à tous ceux qui t'entourent. Est-ce que tu m'as entendu un petit peu? Oui, je t'entends, là, ça va, il n'y a pas de souci, voilà. Juste un truc, est-ce que tu as fait un point avec Rémi pour voir, pour une marche avec lui, pour l'itinéraire? T'inquiète pas, j'ai l'adresse, je mettrai ça dans le GPS, et puis voilà. Puis de toute façon, je serai en fréquence, je sais pas laquelle, certainement sur le 27-555, ouais, il y a des chances. Contrôle de véhicule, qu'est-ce que tu entends par là, Hachi? Ce qu'il fallait pas, moi la mienne, il faut la passer tous les deux ans. Bon, maintenant il a arrêté, il a tout fermé parce qu'il a pris sa retraite. Alors j'ai pris 10 prêts, mais moi j'allais chez lui, c'était histoire. Bon, j'en profitais, la voiture en profitait, mais je passais la journée avec lui, avec madame, et bien, avec ses petits-enfants. Ok, par contrôle de véhicule, je croyais que tu parlais des boîtes à images. Ah non, non. Quand je prenais rendez-vous, il me disait, prévois pas pour midi, tu sais où tu connais le restaurant, ouais, c'est tout, je lui dis, comme d'habitude. De retour. Ok, d'accord, ok. Allez, retour sur Thierry. Ok, de retour, ça y est, ils sont partis, voilà, ouais, ils sont, voilà, comme ça, moi. Tranquille. Ouais, Michel, tu la passes tous les deux ans? Eh bien, encore, je l'appelle. Non, commence à décoller, ça commence à finir en sucette. Eric, c'est normal que tu nous entends pas bien. Ouais, attends, il y a eu un break derrière, j'ai entendu. Oui, le break en avant. Allez, on va le c'est simplement, on écoute. Salut Christophe, 73-51, les amis Thierry, j'espère que tu vas bien, voilà. Donc il y a Thierry qui est là, il y a Rémi, il y a Pensez-moi, j'ai entendu, mais je n'entends pas de mon côté, voilà, qui m'ont signalé. Il y a la tour de couille. Il y a du sang rien, c'est Eric. Donc je te repasse du micro, Christophe. Ah mais ça fait plaisir, rien.
passé la personne, j'ai entendu ce matin et à la pierre, voilà, ça semble. J'ai un peu d'écoute, ça va pas d'ailleurs. Ok, bientôt, oui, tu l'entends, Christophe? Ah bah tu m'étonnes, je l'entends bien, hein, y a pas de problème. Hein. Et je sais à quel poste il est, j'ai reconnu le Roger Beep. Ah chi, les 73 Christophe, en espérant que tu vas bien. Oui, oui, ça va, j'ai vu que le 2 semaines à tirer, puis je perds la bombe sur le pied, voilà. Après je vais pouvoir marcher normalement. Après ça va aller. Mais c'est bien, il faut reconnaître, c'est Roger Beep. Voilà, tu vois que ce poste-là, le CRT, ouais, affirmatif. Petite parenthèse, le Fabrice, ce serait pas des fois l'indicatif 14 ODR 054 parce que là, moi, j'y comprends plus rien. Il y a marqué, ah bah oui, vert. Ah bah si, c'est lui. 14 ODR 054. Ok, Fabrice, voilà, maintenant je t'ai identifié. Oui, si tu vois marqué vert, c'est que c'est lui, hein. Ok, ouais Christophe, on a Fabrice qui est sur le QTH de Vert, c'est-à-dire Vert à côté de Libourne. Voilà, son indicatif c'est 14 ODR 054. Voilà, ça y est. Voilà, c'est ce que j'avais pas compris, 054, voilà, j'avais pas compris 054 moi. Ok, bon, je vais corriger un peu les fautes là de mon côté. Plus on est pris, plus on s'entend mal. Ah, chi. On va mettre du poids aussi à côté. Voilà, tour de contrôle, toujours là. Oui, à l'écoute, j'économise mes cordes vocales. Expliquer ça là-dessus, je ne peux pas comprendre, mais bon, il y a des gros problèmes et de temps en temps, il faut que je passe chez les hommes en blanc pour qu'ils rectifient le tir. Allez, j'arrête là. Ok, ouais, parlons. D'accord, parlons. Parlons. Ouais, on n'est pas là pour parler de ça. Pourtant, Dolu 33 est sur internet. Ah, chi. Putain, le bordel qu'il y a ce soir, moi que ça arrive au bras, c'est impossible que je fasse la radio là ce soir. Ben, je me doute, Eric, parce que là, plus ça va, plus on t'entend. Je sais pas quand tu l'entends, toi, Rémi, mais en plus j'attends. Là, t'as une espèce de voix à la radio, ça fait bizarre. Il demande si c'est Fabrice qui est là derrière. Ah non, c'est pas Fabrice qui parlait, c'est Eric.
que tu parlais, Eric. Ok, c'est reçu, Eric. Bon, moi, les stations, ça devient impossible pour moi, hein, voilà. Donc, moi, je vais vous laisser, je vous envoie les meilleurs chiffres, puis on verra, en espérant que demain soir, ça sera meilleur. Je resterai peut-être à l'écoute tant que je peux entendre quoi que ce soit, mais peut-être pas grand-chose. Je vous salue à tous et puis je vous dis bonne soirée, bonne continuation du QSO parce que là, moi, c'est impossible. Allez, bye bye à tous. Ok. Autrement, on peut essayer à passer en USB, peut-être que ça ira moins de merde. Bon, on y était juste avant et c'était du pari eux-mêmes, apparemment. Ok, les 73 Eric qui a demain soir dans ces cas-là. Ok, je laisse un blanc. Ok, salut, bye bye à tous. Salut Michel, salut tout le monde. Ah, ok, les belles figures, les bonnes 73. Mais si c'est calme de mon côté, c'est pas le cas pour tout le monde. Eh oui, c'est bien dommage. Bon, c'est pas grave, le QSO sera que meilleur demain soir. Il ne veut pas m'entendre. Enfin, je ne perds pas. Si, si. Oh merde. Non, non, on dirait que c'est plus calme. Ça y est, c'est revenu plus calme. Ok, il y a Belfigor aussi qui est passé en QRT. Hein. Ok, ouais, non, mais là, Eric, comment je l'ai entendu, on dirait qu'il avait, je sais pas, qu'il avait un morceau de peine dans la gueule, alors, il avait une voix, oh, ça fait bizarre. Hein. Ah oui, mais à chaque fois, de son côté, lui, à chaque fois, il ramasse tous les QRM. C'est ça qui est un petit peu chiant. Être en hauteur, c'est bien, mais ça n'a pas que des avantages. Ah, ouais, ah ben oui, et puis là, en plus. Il n'était pas sur la fréquence, il n'était pas pile poil sur la fréquence, et il était en plus sans air, c'est pour ça. Je me suis calé sur lui pour essayer d'entendre comme il faut, mais là c'est pas la peine après. Alors, bon, je l'entendais, mais voilà, après c'est voilà, si avec le rêve, avoir fait la merde, c'est sur un rêve soir, et la chaleur ça arrange pas du tout. Ouais, ça.